L'Union se met en ordre de marche pour préparer le Brexit. Les 27 se retrouveront dans 2 semaines à Bratislava et pour le président du Conseil européen, la priorité est de retrouver la confiance. Les citoyens en Slovaquie, en Pologne, en Belgique et partout en Europe attendent qu'après Bratislava, l'Union européenne soit à nouveau une garantie de stabilité, de sécurité et de protection. Une protection au sens le plus large du terme, y compris la protection sociale et économique. Lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères dans la capitale slovaque, le représentant britannique Boris Johnson a répété son discours en faveur d'une forte coopération entre l'Union et Londres. Nous quittons l'Union européenne, mais nous ne quittons pas l'Europe. Le Royaume-Uni, le gouvernement, Theresa May sont complètement engagés pour participer à la politique extérieure européenne, à l'Europe de la défense et pour la sécurité. Ce sont les règles du jeu aujourd'hui à Bratislava. Le Royaume-Uni ne participera pas au sommet des dirigeants européens en Slovaquie le 16 septembre, mais c'est à Londres de lancer formellement la procédure de divorce avec ses partenaires européens.